Est-ce que je viens réellement de percher mon jetline dans les airs? Je crois. Mais quel atterrissage de professionnel! Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo extra lourde. Oui, et je pèse mes mots, puisqu'aujourd'hui, un abonné nous a tout simplement fait une ville. C'est un truc de ouf quand même. Et c'est GBCE24 et sa team qui nous a fait ce projet. Il m'a contacté sur Instagram, il m'a dit « Tiens, je t'ai fait une petite ville, est-ce que ça te dirait de la présenter et tout ?» J'ai dit « Vas-y mon gars, il n'y a pas de souci. Quand il y a des projets comme ça, les mecs, moi j'en veux !» Je dis « Oui !» Ah oui, 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 oui. Le but de te faire visiter cette map et de te montrer le travail de moi et mes chers collègues, et tu devras trouver un mécanisme secret et caché et trouver un moyen de l'actionner. Le petit pistolet à connectique est aussi interdit pour le défi. Il me connaît bien GPCE, hein. On va jouer le jeu, on ne va pas utiliser le pistolet à connectique, mais en tout cas j'ai hâte de visiter tout ça parce que ça a l'air énorme. Cushion. Avec mon accent anglais, ça a fait un mot bizarre, mais voilà. Cushion Automated Facilities. Mais non, même s'il y a un panneau avec marqué Cushion dessus, on rentre. D'accord, alors il y a un secret à trouver. Vais-je le trouver? Va-t-on le trouver? En tout cas, les filles, je compte sur vous. Faites-moi péter ce compteur de likes, ça me fait extrêmement plaisir. Mettez-moi un petit commentaire. Dites-moi ce que vous avez mangé à midi, ce que vous allez manger le soir, éventuellement ce que vous avez prévu cette semaine. En plus, ça fait beau, ça fait chaud chez moi en tout cas. Et surtout, surtout, on pense au petit partage des familles. Ça, ça fait plaisir. N'oubliez pas d'aller checker le petit lien G2A pour acheter vos jeux moins chers. Et quand j'appuie sur ce bouton, ça fait une petite lumière. Ça rime tout ça. On va activer tous les interrupteurs. Parce que s'il y a un secret à trouver, ça se passe forcément avec un interrupteur, quelque chose. On va bien regarder partout. Ok, déjà, il y a une tour là-bas. Parfait. On va activer ici. Ça ferme la porte. Je passe. Ah ouais, super. Et comment je fais maintenant pour ouvrir? J'espère que j'aurai pas besoin d'y retourner. En tout cas, il y a mon jetline qui est coincé là-dedans. Mais regardez-moi ça, c'est de toute beauté, quoi. Je peux me permettre. Voilà. Je trouve tout de même ça un petit peu plus présentable, un petit peu plus chatoyant, printanier, tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Ok. Wow, stylé, 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 stylé. Des petits sièges de gamer en salle d'attente. Oh, comment que ça tue. S'il y a un secret, les mecs, ce serait peut-être bien par ici que ça se passe. Ok. Rouge, jaune, bleu, jaune, vert, rouge, rouge, jaune, bleu, bleu, jaune, vert. Ouh, je sais plus le dernier. C'est dur quand même. En tout cas, il y a un truc avec ça, on y reviendra. Ici, on a un interrupteur. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Ok, je vois exact. C'est pas la musique de Star Wars, les mecs. C'est sans la mélodie, mais je crois que c'est ça. Allez, je vais arrêter de jouer avec ça, parce que sinon, je vais passer la journée là-dessus. Mais c'est terrible. Et apparemment, chaque interrupteur a l'air de servir à quelque chose. Hein. Oh, mais c'est excellent! Mais un petit KFC, quoi! Mais c'est terrible, on va rentrer à l'intérieur. T'as des sièges gamer pour manger les KFC et tout. J'ai jamais vu ça. Ok, très sympa. Vous avez pensé à tous les détails. C'est un truc de ouf. Hein. C'est vraiment très sympa. Hein. Pourquoi tu as dessiné un visage de suricate avec ses deux petits yeux? Et son nez et sa petite langue. Moi, personnellement, j'aurais fait ça. Voilà. Avec ses deux petites narines. Et qu'il l'aurait... Enfin, tu vois. Voilà. C'est pas le suricate, on dirait comment... dans l'âge de glace, comment il s'appelle? Merde, j'ai oublié son nom. Avec ses petites moustaches, regardez. Voilà. Vous savez, celui qui court toujours après le gland. Allez, je sors de là. On a ici... Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a ici? J'en profite également pour vous dire que vous avez été très nombreux à me faire des mystery box, que ce soit des mystery box, des constructions. Et honnêtement, ça commence à faire beaucoup. Comment on fait là? Comment on va faire? Donc j'espère vraiment que je vais pouvoir tous les présenter. Ouais, mais elle est stylée cette baignoire. Ils ont pensé à tous les détails. Il y a même les petits placards et tout. Non mais c'est dingue. Ah oui, il y a un étage. Ok, peut-être qu'ici c'est en travaux, ça doit être en construction. Ah, quand on prend de la hauteur, on voit bien. Hein. Mais attendez, j'ai été ici. Ah ok, d'accord, ça c'est derrière des bâtiments. C'est vraiment très très stylé. Vous avez dû prendre énormément de temps pour faire ça. Alors ça, ça a l'air d'être un bâtiment en travaux. Mais on va aller le visiter quand même. Alors bien sûr, j'ai pris quelques renseignements avant de visiter la map hein, mais il m'a pas spoilé. Il m'a juste dit, il y a un mécanisme à trouver. Oh, ok, ça on va le prendre direct. Ah, c'est ultra stylé hein. Ok, d'accord, et là j'arrive donc dehors. Ding ding.
Et l'ascenseur, il est vraiment... Il est trop bien fait. Oh, alors ça, par contre... Ça, je dis oui. Je prends. Oh là là. Avec les suspensions et tout. Ça déchire. Ouh, mais attendez. Mais ça, ce serait donc pour sortir le véhicule, je pense. Hallucinant. On va le mettre là. Sauf que je n'ai pas trouvé le mécanisme. Est-ce que je l'ai visité, ça? Ça ne me dit rien. D'accord. C'est des petits bungalows, des petits mobilos et tout. C'est vraiment très, très bien fait. Hein. Même tous les détails y sont, quoi. Au chaud, au froid. Ah non, mais vous avez fait un boulot d'enfer, les gars. Je vais mettre en vue la première personne. Voilà, ça va être mieux pour visiter l'intérieur. Ah ouais, tout a été pensé. Hein. Même le petit carré avec l'eau dedans, l'évacuation de la douche et tout. Tout ça, ça ne me dit pas où est le mécanisme. Peut-être ici. Ah, c'est con parce que là, j'ai fermé aussi. Est-ce qu'il y a moyen de le rouvrir de ce côté-là? Non, je ne pense pas. Attendez, laissez-moi réfléchir là. Ça y est, là, je viens de trouver un truc là. Pourquoi ça fait ça? Ah, oh, ok, regardez, ça fait un truc. Ça se trouve, c'est peut-être des cibles pour faire du tir ou quoi? Genre comme ça, c'est ça? Ah ouais, clairement, c'est un entraînement au tir ici. Et ça activerait le secret? Non, non, à mon avis, c'est pas ici. Après, peut-être que le mécanisme secret, je l'ai trouvé, hein. C'était peut-être ça ou... Je pense pas. Déjà, je vais prendre mon jetline. Je vais aller ouvrir la porte de l'autre côté. Voilà. Ça s'ouvre. Ok, déjà, un interrupteur. Je sais plus si j'ai appuyé sur celui-ci. Si, je crois que j'avais pas appuyé dessus. Ouais, c'est un projecteur, en fait. Je reprends complètement du début, les mecs, hein. Non, moi, je pense pas que ce soit ça. Ça se trouve, je l'ai activé, les mecs, le mécanisme secret, non? De toute façon, va falloir qu'ils nous fassent un briefing dans les commentaires, GBCE. Hein. Ça a quand même rien à voir avec ça. Il s'appelle Scratch, au fait. Ça vient de me revenir. Voilà, le petit écureuil dans l'âge de glace. Scratch. J'étais pas sûr, je confondais avec Stitch. Et ça a rien à voir. Oh. Attendez, les mecs, parce que c'est vrai que je m'étais pas assis sur tous les sièges. J'appuie sur 1. Genre, c'est un truc de Total Spies ou quoi? Ouais, mon gars, j'arrive dans une pièce secrète. Est-ce que c'est ça, le mécanisme secret? Pas du tout. C'est peut-être pas un secret, hein. Peut-être tout le monde le sait. Ça doit être les petites toilettes. Je pense pas que ce soit un secret, les toilettes. Je suis pas sûr. Quoique, attendez, il y a un interrupteur ici. Terrible! Ça fait tourner le rouleau de papier toilette. Peut-être il y a une toilette qui passe à travers un mur ou quoi. Je ne sais guère, hein. Non? J'ai appuyé là-dessus? Bah oui, j'ai appuyé là-dessus. Ça fait quoi? Ouais, ça a sorti les murs. Alors, je sais plus si j'avais appuyé. Oh putain, comment ça lag, mon gars. Ok, d'accord. En fait, c'est ce qui fait rentrer et sortir le véhicule, ça. Alors, franchement, c'est ultra lourd. Mais je ne trouve pas le passage secret dont tu m'as parlé, GBCE. Ou alors, j'ai raté quelque chose, je ne sais guère. On va pas lier à la règle parce que pour moi, j'ai fait le tour de la map. On va prendre le pistolet connectique. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, et tout ça, je connais les mecs, tout ça. Je connais. J'ai appuyé partout, bien sûr. Je connais. Ben oui, évidemment, j'ai appuyé sur tous les interrupteurs, les mecs. Ça, j'ai appuyé, hein, c'est les lumières, tout ça, je connais. Ça, je connais, voilà. Tout ça, je connais, je connais. Dans le garage, je connais. Attends, j'avais un doute, c'était ici. Oh! Ce bordel. Est-ce que c'était ça le truc secret? C'était peut-être ça, hein. Et du coup, j'ai appuyé dessus. Donc ça, je connais bien sûr. L'interrupteur en bas, l'interrupteur en haut. Et je suis vraiment tout le tour, hein. En plus, j'ai le pistolet connectique à la main, donc je peux rien rater, quoi, tu vois. Ici, bien sûr, j'ai appuyé, hein. Ici, je connais. Voilà, c'est les bungalows. Hein, là, ça ferme la porte. L'autre côté, ça l'ouvre. Ça m'intrigue parce qu'il m'a dit qu'il y a un truc secret à trouver. Ah bah ici, par contre, celui-là, je l'avais pas vu. Est-ce que ce serait celui-là? Ouah, pas du tout. En fait, ok, tu peux l'ouvrir de l'extérieur, effectivement. Ça, je connais. Ça, je connais. Ça, je connais, ça, je connais. Ça me fait chier parce que vraiment, j'ai pas envie de négliger un truc quand vous m'envoyez une construction ou une map. Vous le savez, même quand vous m'envoyez une mystery box, je passe pas 5 secondes dessus et je fais allez, vas-y, au suivant, tu vois. Sinon, c'est voilà, c'est trop facile, je pourrais en présenter 50 dans une vidéo. Non, vraiment, je prends le temps de voir ce que vous m'avez fait et tout, tu vois. Je respecte la construction, j'ai l'honneur d'honorer la construction. Voilà, ça c'est beau, ça, ce que je dis. Et là, clairement, pour moi, j'ai fait le tour. Alors, la ville n'est pas finie. Vous avez vu qu'il y a des travaux et tout, construction zone, là, ici, c'est pareil. Hein. Vous avez vu qu'il y a quelques trucs qui sont tout de même en construction. Oh là là, et en tout cas... Ce véhicule des enfers, mon gars. Ouh là là, il fait laguer le cochon, hein. Ouh, il fait laguer le cochon. Oh là là, eh, de haut, franchement, c'est impressionnant. Écoute, GPCE, tu vas nous dire dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose. Et si j'ai oublié quelque chose, de toute façon, même si j'ai pas oublié quelque chose, la prochaine fois qu'il y aura une grosse mise à jour sur ta map, on y retournera. Mais appelle-moi pas si t'as reconstruit une cabine de toilette, hein. Tu vois, vraiment, voilà, si vraiment t'as fait une grosse mise à jour. Voilà, j'en sais rien, moi, que t'es pas un escape game là-dedans ou je ne sais guère encore. Tu nous dis tout ça dans les commentaires. Mais pour moi, je pense que le mécanisme secret, je l'ai trouvé. C'était très certainement ça, les cibles. On
Dieu, comment que ça lag, mon cochon? Ça laguait pas tout à l'heure, là, c'était bien. Faut que je m'éloigne de la ville chétanisée, mon vieux. Écoutez, j'espère que tout le monde a kiffé la vidéo. En tout cas, ça me ferait plaisir si vous laissiez le petit like, le petit partage, tout ça, le petit commentaire. Nous, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures scrap mécaniciennes ou autres. Et à bientôt. Ciao.